où tu vas. Reviens ici. Reviens. Reviens ici. Je vais te frapper. Reviens. Tu es devenu très têtu, toi. Reviens. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi es-tu devenu têtu comme ça? Je vais te piquer. Il te fait comprendre que la vie n'est pas donnée à l'entêtement. Attends. Bébé, pourquoi tu la frappes comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, tu vois ta sœur, elle devient vraiment têtue. Nous devons vraiment la rééduquer avant qu'elle puisse s'envoler. Chérie, ma sœur n'est pas têtue. Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu en train d'essayer de me dire qu'elle n'a rien fait de mal et je l'ai frappée? Ce que tu essayes de me dire? Ça, c'est ce que je n'ai pas dit. N'essaie pas de dire que moi... Dis-le excuse-moi. John, mange ta nourriture, non? Qu'est-ce que tu as? Hein? Si tu ne voulais pas manger le garé, pourquoi l'avais-tu alors demandé? Mange avant que je ne puisse te taper. Mais je veux manger les spaghettis. Tu veux les spaghettis, n'est-ce pas? Tu attendras le retour de ta mère, parce que moi, je ne le ferai pas du tout pour toi. Tu resteras enfermé jusqu'à son retour. Si tu ne veux pas manger ça, oublie la nourriture. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon ange. Pourquoi si tu ne manges pas? Papa, tante Joyce m'efforce de manger les garis pendant que j'ai demandé de manger les spaghettis. Monsieur, c'est faux. Il m'a demandé de faire pour lui les garis, je l'ai fait. Maintenant, commence à me demander les spaghettis. Et alors? As-tu déjà acheté quelque chose à manger ici? M'as-tu déjà acheté la nourriture ici? Pourquoi veux-tu priver mon fils de la nourriture? Pourquoi? Lève-toi vite à la maison, lui préparer quelque chose. Mais... Si je t'entends dire un mot, je vais te frapper très mal. Va à la cuisine immédiatement. C'est à toi de lui dire ce qu'il doit manger. Et c'est d'accord, hein? Elle va t'en préparer. Et tu vas manger. Allez, garde ça pour prochainement. Bébé. Oui? Je n'en reviens pas du tout. Et le pire est qu'il a pris la fille à l'hôtel. Peux-tu imaginer? Pitié, oh. Je suis vraiment désolée. Je voulais dire... Comment Bob peut te faire une chose pareille? Il paraît vraiment innocent. J'avais confiance à ce gars. J'étais là pour lui. Pourquoi les hommes sont toujours pareils? Tu sais, ils sont tous le même. Non, ils ne sont pas pareils. Les erreurs de Bobby, tu ne peux pas les comparer à tous les hommes. Tu dois croire en moi. Je dis qu'ils sont tous les mêmes. Il n'y a pas un homme sincère à l'extérieur. Je ne suis pas d'accord avec toi. parce que mon mari n'est pas dans la catégorie de ce genre d'hommes. Oh mon Dieu! J'avais dit la même chose pour Bobby. Regarde-moi maintenant. Peu importe. Ma chère. C'est comment? Je sais que ce que Bobby t'a fait est mal. Il n'a pas le droit de te traiter comme ça. Je voulais dire. S'il ne comprend toujours pas, laisse-le. Avance, cherche-toi un autre mec. Il y a plein de poissons dans la rivière. Là, c'est une histoire à raconter un autre jour. Alors, c'est comment? Quelle nouvelle? Tu as l'air belle. Ok, nouvelle. Cela voudrait dire que je suis pareille comme tous les jours. Tu es terrible. Tente un toast. Oh, désolée, je suis méchante. Santé. Alors, ton bonheur est de trouver un autre homme? Madame, regarde-moi. Ai-je l'apparence d'avoir peur? Chérie, regarde-moi ça. Oh, je suis sérieuse. Oh, regarde d'abord. Je suis sérieuse. Oh, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Oh, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Attends. Oh, c'est qui? C'est qui? Entrez. Oh. Henri, comment tu vas? Je veux bien. Henri, tu m'aurais appelé pour venir te prendre. J'étais arrivé tard et c'est pourquoi.
Et dis-moi, comment vas-tu? Je veux bien, oh. Ah, je remercie Dieu pour ton voyage. Merci. J'ai rencontré Joyce et Chelsea à l'extérieur. Ce sont eux qui m'ont dit que vous êtes ici. Merci. Je crois qu'il y a de la nourriture dans cette maison parce que je suis affamé. Et toi et la nourriture, tu viens juste à peine d'arriver et tu cherches la nourriture. Ce n'est pas de ma faute, mon frère. Notre femme est une bonne cuisinière. Et d'ailleurs, je n'ai pas mangé pendant que je venais. Et notre femme? Mais elle est notre femme. Combien d'argent tu as payé pour la dot? Hein? Fais attention. Ta femme est ma femme. Ma femme n'est pas tienne. Tandis, allons-y. 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 Elle est notre femme. Je fais la nourriture pour toi. Attends-moi. Je reviens maintenant. Oh mais... Attendez-moi, non? Où vas-tu avec notre femme? Notre femme? Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, Eric vient se me dire c'est ma femme. Pas de problème. Notre femme. Pourquoi est-ce que tu agis comme un petit enfant, non, n'est-ce pas? Tu sais que je t'apprécie, n'est-ce pas? Tu m'apprécies comment? Alors, s'il te plaît, écoute, si tu acceptes d'être ma femme, je vais t'acheter tout ce que tu voudras. Je te le promets, vraiment. Tout ce que tu voudras. Ma soeur doit le connaître. Hé, rentre ici. Je ne blague pas avec toi. Si tu oses dire quelque chose à ma femme, je te promets, je vais t'étrangler, je vais te tuer, toi. Je suis pas ton ami, attention. Je ne blague pas. Alors, lève-toi, vas-y. Et je dois coucher avec cette fille avant que quelqu'un le fasse avant moi. Je ne vais pas louper cette chance. Chérie? Comment tu vas? Ok, je vais bien. Qu'est-ce que tu veux manger? Vraiment. Où est ta sœur? Dans la cuisine. Ok. Bon, tu veux manger quelque chose d'autre? Oh, Mary. Hein? Bonjour à vous, les très belles personnes. Bonjour. Comment as-tu dormi? Bien. Qu'est-ce que tu vas manger? Bien. Tout ce que tu pourras me donner sera parfait. Ok. Harry, ça, c'est quoi? Oh, c'est... C'est en effet pour vous deux. Maman avait dit que je devais vous le donner. C'est pourquoi? Elle avait dit que c'était pour soigner la matrice. Et qu'elle a besoin de beaucoup de petits-enfants. J'ai déjà un fils, alors je n'ai pas besoin. Ce n'est pas un problème, non? Elle a besoin de plus? Oh, je ne vais pas en prendre. Tu dois quand même le prendre. Ça vient de maman. Laisse-moi voir à quoi ça ressemble. Je ne vais pas prendre ça, non. C'est appelé « lave tout ce que tu as ». Non, mais à quoi ça sert vraiment? C'est pour que ça nettoie toutes sortes de maladies ou toute autre chose qui dérange. Bois d'abord, on va voir le reste. Bois-toi d'abord, en premier. Ça vient de ta maman, bois. Bon, donne d'abord, on va voir ça. Mais toi aussi, tu dois le prendre. C'est très amer. Tu veux bien, chérie? Non, bois. Bon après-midi, monsieur. Jesse, regarde, il est 17h passé. Hein. Si je ne m'abuse pas, votre call, ça prend fin déjà à 13h alors. Et dis-moi d'où est-ce que je viens? On a vu TP aujourd'hui. Et je te demande encore, d'où est-ce que tu viens? Je ne proviens pas de quelque part. Tu peux aller dans mon école demander à mon professeur. Et tu n'es qu'une menteuse. Tu es une menteuse, Chelsea. D'où est-ce que tu viens? Et c'est pour une dernière fois. Je ne proviens pas de... Tu es dans cette maison. Je devais aller à l'école demander à ton enseignant, d'accord? Pas de problème. Ce n'est pas dans cette maison que tu vas grandir. Je viendrai à l'intérieur et tu me diras d'où est-ce que tu viens.
Tu vas bien? C'est quoi le problème? As-tu mangé? C'est ton mari. Mon mari? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'aime pas sa façon de me traiter. Il me frappe. Chelsea, si tu sais ce que tu fais qui le rend nerveux, alors arrête ça. Arrête de te plaindre, ça va? Ce n'est pas de ma faute. Il Chelsea, juste... tes plaintes risquent d'affecter mon mariage. Mon mari a dit que tu lui parles n'importe comment. S'il te plaît, toi, tu dois juste le comprendre, obéis-lui, c'est bon? Ce n'est pas ce que tu... Chelsea, ça suffit, hein? C'est bon. Entre à l'intérieur et va manger ta nourriture. Bébé? Oh, c'est quoi le problème? Tu vas bien? Bébé? Petit, s'il te plaît, allez doucement avec ma soeur. Je voulais dire, elle n'est pas du tout contente. Chérie, écoute, ta soeur est comme aussi une soeur pour moi. Ok, je ne vais jamais la traiter mal. La question est... Chelsea est vraiment têtue. C'est ça le problème. Peux-tu arrêter de la taper, s'il te plaît? Elle est la seule famille que j'ai. Je ne veux pas la donner des raisons pour s'enfuir. Oh, donc je suis vraiment un mauvais garçon, n'est-ce pas? Je suis même un mauvais garçon, c'est d'accord. De toutes les façons, je vais m'occuper de mes affaires. Ça, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu peux juste me comprendre, s'il te plaît? Je veux que tu puisses comprendre que je suis en train d'essayer de l'aider. Oui. Je comprends, mais bon. C'est d'accord. C'est bon, je comprends. Comme je l'ai dit, je vais m'occuper de mes affaires. Hein? Et prends ta soeur et fais-en tout ce que tu veux. Mais quand les choses vont commencer à s'empirer, n'ose pas m'appeler. Chérie, pourquoi tu te fâches toujours à chaque fois que je parle de ma soeur? Je t'ai pris de lui donner juste un peu de l'espace. S'il te plaît, fais laissez-moi pour moi, je Nancy, t'en prie. Nancy, je ne veux pas avoir cette conversation maintenant. Regarde, si tu n'es pas à l'aise du fait que je sois descendu, je peux remonter là. Bébé, s'il te plaît, essaie de me comprendre, c'est un petit enfant. Chérie, s'il te plaît, chérie, je t'en prie, s'il te plaît, chérie. Maman, je suis là. Comment tu vas? Bien. Va manger, ok? Chelsea, qu'est-ce qui ne va pas encore? C'est juste pour hier? Je suis désolée, ok? Je veux bien, il n'y a rien de mal avec moi. Chelsea! Regarde, j'ai parlé à mon mari hier. Il a promis de ne plus te taper. Tu veux agir comme si tu t'inquiètes. Je sais que tu ne t'inquiètes pas pour moi. Chelsea, comment tu peux dire ça? Tu sais que je m'inquiète pour toi. Je t'aime beaucoup. Je promets que mon mari ne va plus te taper. S'il te plaît. Tes excuses ne sont pas suffisantes. Ok, qu'est-ce que tu veux alors que je fasse? Tu veux que je puisse les battre? Tu sais que je peux pas faire ça. C'est mon mari et toi tu es ma petite sœur. Essaie juste de me comprendre. Comprends-moi chérie, ok? Je t'en prie, je suis désolée. S'il te plaît, hein? Allons à l'intérieur. Je veux pas aller là-bas, je veux rester ici. S'il te plaît, ne dis pas ça, hein? S'il te plaît, je suis désolée.
ok? Tu sais que je t'aime beaucoup, hein? Ma petite sœur, ok? D'accord. Viens ici. Tu vas bien? Es-tu malade? Hey, quitte ici! N'importe quoi! Pourquoi tu es comme ça? Papa! Mon fils! Fils! Mais pourquoi tu pleures? Et moi, j'ai fait. Et toi, tu es vraiment stupide. Tu es froid. Comment tu peux frapper mon fils comme ça? Tu es malade. Pourquoi tu le tapes comme ça? Tu veux la tuer? Et tu es insensé. Non, mais attends, tu me bouscules à cause de cette fille. Ok, et donc elle n'a rien fait que je suis en train de la frapper? C'est ce que tu es en train d'essayer de me dire? Ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi tu la frappes comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est comment me parles-tu de cette façon contre cette fille stupide? Pourquoi? Hein? Elle n'est pas stupide. C'est ma sœur et elle n'est pas ton esclave. Ok, et maintenant, mets-la en garde. Hein? Mets-la en garde parce que la prochaine fois qu'elle va se lever sa main et sur mon fils, je vais la brûler vive. Allez, toi, entre! Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait de mal. En fait, Sean m'avait un peu énervée et je lui avais juste donné une petite gifle. C'est tout. C'est bon, arrête de pleurer, ok? Laisse-moi finir avec. Hein? C'est bon. Eric, qu'est-ce que cette petite fille t'a fait? Tu n'as même pas voulu savoir ce qui s'est passé, directement tu la frappes. Et pourquoi a-t-elle frappé mon fils? Et pourquoi a-t-elle levé sa main sur mon fils? Pourquoi? Écoute-moi très bien, la prochaine fois que je parlerai de cette manière, tu seras étonné ce que je te ferai. Chérie, pourquoi tu ne l'aimes pas? Si ma mère était en vie, elle n'allait pas être ici. Pourquoi tu la rends la vie difficile pour ne pas oublier ma maman? Ne me provoque pas. Ne fais pas en sorte que je me mette en colère. Je ne suis pas d'humeur à entendre ces bêtises. Chérie, je n'essaie pas de te provoquer. S'il te plaît, chérie, je respecte et j'aime tout le monde de ta famille. Tu ne peux pas le faire aussi pour moi. Tu ne peux pas t'habituer avec elle à cause de moi. Chérie, s'il te plaît. Non, je vais quitter cette chambre à cause de toi. C'est quoi le problème, hein? Laisse-moi tranquille. Chérie, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, fais-le juste pour moi. Habitue-toi avec elle. S'il te plaît. Chelsea. Je suis venu te chercher. Comment tu vas? Comment se passent les choses? Ça va? Je ne vais pas bien. Et Chelsea, tu sais que cet entêtement venant de toi ne peut jamais, jamais t'aider. D'accord? Je veux juste que tu saches que je m'inquiète beaucoup de toi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je te ferai beaucoup de bien, je prendrai soin de toi. Et crois-moi juste. Hein? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? J'ai juste 16 ans. J'ai décidé de tout raconter à ma sœur. Je m'en fous des conséquences. Si je vais mourir, que je meure. Et tu es folle? C'est juste parce que je suis en train de te supplier. Alors reviens ici. Pourquoi tu veux te blaguer avec moi? Non, je ne me fais pas ça, s'il te plaît. Chelsea, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que quelqu'un t'a frappé? Rien du tout, je vais bien. Dis-moi la vérité. Ou que tu as besoin de quelque chose? Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu pleures alors? C'est juste ma maman qui me manque, c'est tout. Oh oui,
C'est vraiment naturel. Mais tu vas t'en passer, ok? Essaie de te calmer. D'accord? Désolé. Je suis à l'intérieur. Je n'ai pas du tout faim. Tu n'as pas faim? Elle est juste comme ça pendant tout ce jour. Et elle pense trop à propos de votre maman. Alors essaie de l'aider à sourire. Mais elle doit arrêter de manger. Je ne pense pas qu'elle va bien. Elle a dit qu'elle n'a pas faim. Tu veux la nourrir ou tu veux mettre la nourriture dans sa bouche? S'il vous plaît, excusez-moi. Chelsea, je m'inquiète juste pour elle. Permets-moi d'aller un peu parler avec elle. Stop. Et prends ton repas. Tu vas lui parler après. Commence par manger ton repas, non? Chelsea, je ne te comprends pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a des choses que tu as entendues de moi. Quelque chose comme quoi? Des choses qui te dérangent. Des choses qui font que tu sois comme ça. Rien de, je vais bien. C'est juste ma maman qui me manque beaucoup. Oh, chérie. Oh, ça chérie. Va? Bonsoir. Comment tu vas? Je sois le bienvenu. Bien sûr. C'est à moi? Ah non, c'est pour Chelsea. Wow! Oh, Chelsea! Merci. Oh, je t'en prie. Alors, papa, tu sais toutes ces choses, mais rien pour moi. Oh, mon garçon, je te promets que ce week-end, ta maman et toi iraient faire du shopping. Wow! Ça, c'est vraiment joli. Tu apprécies ça? Bien sûr. Chérie, je vais d'abord monter et prendre bain. D'accord, j'arrive. Merci beaucoup. Tu as vu? Je t'avais dit qu'il va changer. Tu as vu ce qu'il t'a apporté? Toi aussi, souris! Pourquoi continues-tu à pleurer, hein? Ce n'est pas comme si c'est douloureux comme toujours. Alors, rappelle-toi de toujours garder notre secret. Et si tu commets une bêtise, je vais te tuer. Je ne blague pas avec toi, je suis un tueur. Prends cet argent. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux, tout. D'accord? À tout à l'heure. Je dois déjà partir maintenant. Sinon, s'il vient, dis-lui que j'étais ici. Et que j'appelais son numéro, ça ne passait pas. Qu'elle m'appelle à son retour. Ok? Tandis Gina, s'il vous plaît, mettez-vous. J'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que ça va vous déranger? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos du mari de ma sœur. Le mari de ta sœur? Qu'est-ce qu'il a fait? Le problème est que... Il quoi? Vas-y Chelsea, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait?
Rien du tout. Rien du tout. Ne vous dérangez pas. Chelsea, tu m'as dit que tu vas me dire. Je t'ai dit, vas-y, dis-moi, je suis là. Parle-moi. Qu'est-ce que le mari de ta sœur a fait? Tantine, rien du tout. Non, rien. Rien. Ok. Comme tu l'as dit, je crois que tu vas bien. D'accord. Bon, Ziana aussi de m'appeler dès qu'elle sera de retour. Ok. D'accord, bye. Ella, je peux te faire confiance? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Chelsea, je ne te trouve pas bien ces derniers temps. Y a-t-il un problème? Dis-moi. Je peux te faire confiance? Attends, tu veux dire que tu n'as pas confiance en moi tout ce temps qu'on a fait d'amitié? Ce n'est pas ça. Juste que ce que je veux te dire est très crucial. Ok, bien, tu peux me faire confiance, vas-y. Le mari de ma sœur couche avec moi. C'est du mensonge. C'est vrai, et je ne sais quoi faire. Attends, c'est pourquoi tu donnes de l'argent lorsqu'il te dépose souvent à l'école? Est-ce que ta sœur est au courant de ça? J'essaie souvent de lui dire, mais elle ne m'accorde aucune attention. Quoi? Je pense que je dois aller lui parler moi-même. Elle pourra m'écouter. Non, non, ne parle à personne à propos. Que les gens ne le sachent pas. S'il te plaît, promets-moi que tu ne le diras à personne, même pas à ta mère. Bien, je le dirai à personne comme tu le veux. Ok? Je te verrai après. Prends bien soin de toi. Tu n'iras pas à l'école? Ma chérie, tu peux te réveiller et être prête pour l'école? Grande sœur, je ne me sens pas bien. Ma tête me fait très mal. Je ne pense pas que j'irai aujourd'hui. Ta température est élevée. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Prends les paracétamol à l'instant. Je vais au marché. Je vais au marché pour acheter quelque chose pour la maison. Et il y a la nourriture à la cuisine. Rassure-toi de la manger. Bye, oui, grande sœur. Ok, je te retrouve après. Mange quelque chose, ok? Je pensais que tu étais partie au travail. Chelsea, tu sais que je t'ai acheté un téléphone. Je l'ai installé. J'ai aussi installé WhatsApp, Instagram, Twitter et tes jeux favoris. Tu vois ce que tu aimes le plus. Alors je te l'offre. Prends. Je sais que tu n'es pas venue ici pour le téléphone. Mais peux-tu arrêter de faire tout ça? J'en ai vraiment marre, s'il te plaît, je t'en prie. Es-tu stupide? Es-tu folle? Hein? Et tu n'es pas normale. Ta tête fonctionne normalement? Hein? C'est parce que j'essaie d'être romantique, c'est parce que j'essaie d'être bien. Je t'ai acheté un téléphone et j'ai mal fait. Est-ce que j'ai mal fait? Ah, enlève tes habits. Tu penses que la vie est facile? Je t'ai demandé. Ella, je suis fatiguée de tout. Je sais même pas ce que je peux faire. J'aurais souhaité que ma mère soit en vie. Chelsea, je pense que tu dois te calmer, ok? Est-ce que ta sœur est au courant? Elle n'est pas encore au courant. Mais je voudrais te montrer quelque chose. Ok. Chelsea! Où est-ce que tu as eu cet argent et ce téléphone?
Ok, ne me dis pas que tu as commencé à voler. Je n'ai pas volé ça. Mon oncle me l'a donné. Ça, c'est peu comparé à ce que j'ai à la maison. Voilà pourquoi j'ai acheté ça pour toi. Non, je ne prendrai pas ça. Ma mère risquera de me faire du mal. Je pense que tu dois ouvrir un compte. Pense à propos. Ok, bien, je compris. Allons à la maison. Oh mon Dieu, attends, j'arrange d'abord l'argent dans le sac. Est-ce que vous allez bien? Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, mon oncle. Mais oncle, ça va bien. Est-ce que tes parents sont là? Bienvenue à toi. D'accord. D'accord, viens m'accompagner dans ce cas. Oh, frère Henri, tu as bien préparé comme ma mère le faisait lorsqu'elle était encore en vie. Merci. Chelsea, qu'est-ce que tu essayes de dire? Que ma nourriture n'est pas bonne? Non, je ne peux pas dire ça. Mais maman, Joyce a totalement raison. La nourriture est très bonne. Bien. Merci à tous. Mais ma nourriture n'est pas comparable à ce qu'elle fait. Oui, il a raison. De toutes les façons, comme ils aiment bien ta nourriture, avant de partir, il faut préparer pour nous. D'accord, pas de problème. Je le ferai. Ok. Chelsea, tu pleures. C'est quoi le problème? Chelsea, tu peux toute fois me parler. S'il y a un problème, dis-moi. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le moi savoir, je t'en donnerai. Je te donnerai tout ce que tu voudras. S'il te plaît. Je te prends pour mon oncle, mais tu continues toujours à me violer. Comment l'as-tu senti si c'était ta sœur qui en subissait? Je sais que mon Dieu te voit. Il va te punir. Il le fera vraiment. Chelsea, pourquoi est-ce que tu me dis toutes ces choses? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas, en fait, ce qui a pu m'arriver. Je suis désolé, en fait. Pardonne-moi, d'accord? Ne me touche pas. Je ne te pardonnerai pas. Je te hais de tout mon cœur. Je ne te pardonnerai pas, peu importe les excuses que tu me dis. Tu veux encore le faire, n'est-ce pas? Et je peux pas dire non, n'est-ce pas? Stop, stop. Je ne veux pas le faire, s'il te plaît. Chelsea, tu es comme ma soeur de sang et je t'aime beaucoup, hein? Regarde, si ce sont les œuvres du diable, je suis vraiment désolé. En fait, trouve une place dans ton cœur. Je ne te pardonnerai jamais. Quitte ma chambre. Quitte ma chambre! Peux-tu me donner tes bandes hygiéniques? Ok. Attends. Ok. Ce n'est pas encore utilisé. Donc, tu n'as pas touché à ça. Tu devais déjà voir tes périodes, non? Oui, mais ce n'est pas encore arrivé. Tu veux dire quoi par ce n'est pas venu? Tu veux dire que tu n'as pas vu tes périodes? Aujourd'hui, c'est le 21e jour. Donc, tu es en retard de 3 semaines.
Chelsea, as-tu couché avec un homme? Grand Dieu, pourquoi tu me demandes telle chose? Chelsea, comment te sens-tu? Dis-moi la vérité, comment te sens-tu? Ça fait mal? Grand Dieu, arrête! Es-tu en train de me suspecter ou quoi? Tu sais quoi? Monte, va t'échanger, nous allons partir à l'hôpital. Je ne partirai pas à l'hôpital, je ne suis pas enceinte. On part à l'hôpital maintenant. Tu n'as pas vu tes périodes pendant 3 semaines et tu ne t'inquiètes pas pour me dire. On y va. Grand Dieu, je ne pars pas à l'hôpital. Je dis partons. Je suis en train de te parler. Qui t'a rendu grosse? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Pour que tu te décides de m'embarrasser de cette façon, hein? Qu'est-ce que je t'ai pas donné, Chelsea? Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné, Chelsea. Bébé, arrête de pleurer. Ça ne veut pas dire que Chelsea est morte. Elle est juste enceinte. Il n'a que 16 ans. Hein? Alors, c'est quoi la réaction de ton mari à propos? Je sais pas. Nous sommes tous estomaqués. Vraiment? Nancy. Tu te rappelles du jour où j'étais chez toi quand tu étais absente? Chelsea m'avait appelée, qu'elle voulait me parler à propos de ton mari. Je lui avais dit ok, et soudainement, elle a refusé de me parler. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le problème que j'ai? Ok. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Nancy, je pense que tu dois poser quelques questions à ton mari. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Comment tu peux penser si bas comme ça? Elle est mon sang, c'est mon sang. Elle est ma sœur. Non, si. Les veines connaissent le sang. Pose d'abord quelques questions à Ken. Jenna, je suis vraiment déçue de toi. Cette conversation est finie. Ok, Sa Majesté. Ok, madame. Quant à moi, tu dois arrêter de pleurer. Ok? Pouvons-nous aller à l'intérieur? Mon cher. C'est comment? Je vais bien. C'est bien. Mon frère. Mon cher. Qu'est-ce qui t'a poussé de venir nous voir? Est-ce que tu as une nouvelle? Mes amis, je voudrais que vous fassiez une opération pour moi. Regardez l'opération et sur la personne qui est ici, regardez un peu. Oh, nous le ferons vite. C'est notre travail. C'est notre travail, nous allons le faire. Nous allons le faire, mais tu sais comment ça se passe. Nous le ferons pour toi. S'il vous plaît, à 22h. Et 22h. C'est notre boulot. Je voudrais que vous fassiez un bon travail. Je vais ouvrir les portails, comme ça vous allez entrer. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous le ferons proprement pour vous. Boss, j'ai une petite question à vous poser. Boss, pourquoi vous gaspillez l'énergie à faire un travail pareil? Je ne comprends pas. Parfois, vous avez des intérêts qui vous poussent à faire ce travail. Mon cher, ça c'est quel genre de questions que tu poses? Tu veux dire que nous refusons aussi de l'argent parce que c'est un petit travail? Fais attention avec de telles questions. Pardon, ne les suis pas. Nous le ferons proprement pour vous. Nous alors, le ferons vous. S'il vous plaît, je voudrais que vous fassiez okay, un bon boss, travail. Ok, boss, merci, sans problème. Faites-les bien, d'accord? À plus. Oui, nous le ferons, boss. Mon frère, je ne comprends pas comment ce travail se passe. Allô? Hein? Est-ce qu'il faut perdre le temps pour faire un petit travail pareil? Je ne comprends pas. Vraiment, ça se passe petit, comment? Petit, ferme ta bouche.
Ce qui te concerne, toi, c'est à propos de l'argent que nous aurons. Tu perds mon temps pour rien. Regarde, nous perdons le temps pour rien. Vas-y te préparer et moi également. C'est travail, cette affaire demain. Pas de problème, mon frère. C'est à cause de l'argent. Ne gaspille pas ton pas temps. Pas de problème. Non, c'est parle-moi, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Dis-moi qui est le responsable. Bébé, s'il te plaît, tu sais que tu n'as pas besoin de pleurer de cette façon, d'accord? Et tu vois, je t'avais prévenu. Tu t'es soudainement tue, n'est-ce pas? Tu t'es soudainement tue. C'est d'accord, on va trouver une façon de résoudre. Par terre, je dis par terre, de ça, par terre, par terre, toi tu ne comprends pas? Monsieur, je vais t'écraser la tête, tous vos yeux. Écoutez, celui qui va bouger ou parler, je vais les tirer. Où se trouve de l'argent? Apporte-le ici. Tu me regardes. Où se trouve de l'argent? Apporte-le ici. Vite, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, ne regarde pas ici. Donne de l'argent. Il ne peut pas faire le tabou. Tu ne parles pas. C'est toi la première personne à tuer. Tu ne parles pas. Ok, ça va. S'il n'y a pas de l'argent, nous allons tous vous tuer. Donne l'argent vite. Je commence à tirer. Si vous n'apportez pas de l'argent, je commence à tirer. Donne-moi de l'argent. Oh, pour me donner de l'argent, tu commences à blaguer avec nous. Je vais te montrer de quoi nous sommes capables. Reçois ce que tu veux. C'est ça. Reçois encore. Vite, partons. Comme ça, c'est quoi ça? Tu penses qu'on allait juste venir le faire comme ça, c'est tout? Et si jamais par erreur je te touchais, tu penses que je peux encore faire revenir ton corps? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je t'ai déjà dit que c'était une erreur, j'étais dans le tempérament pour ça, non? Regarde-moi un peu cet homme, mon cher. Boss, même quand tu parles, tu cries, qu'est-ce que tu vas gagner? Oh, tu dois te calmer, non? Tu vois ce qui s'est passé dans cette maison. Ça ne t'est pas passé de telle façon, ça a été planifié. Mais tu ne peux pas agir comme ça, fais comme si rien n'était. Ce n'est pas de notre faute. Tu es fou. Attention, tu ne veux pas arriver jusqu'à ce niveau. Vous avez tué mon fils et vous voulez que je puisse acclamer la tribune posée. Tu arriver jusqu'à ce niveau, tu ne peux pas légifler, tu ne peux pas faire ça, tu dois arrêter tout ça. Ce n'est pas bon ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous devez me restituer mon argent, vous deux. Vous allez me restituer mon argent maintenant. Que Dieu punisse ton papa et ta maman. De quoi est-ce que tu es en train de parler? De quel argent parles-tu? Oh! Quand tu nous avais demandé de tuer la personne, est-ce que tu les avais disposés pour que nous ne les tuions pas? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? N'ose plus encore le dire, tu as exagéré. Allez, maintenant tu dois partir d'ici. Va-t'en, allez, sors d'ici. Je vous promets que vous allez regretter ces mots. Regarde aussi comment il parle. Qu'est-ce que nous allons entendre de toi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, mon cher? Il ne m'inspire pas confiance. Allons-y. Quittons d'ici, partons. Thank you.
Tantine? Il est presque 13h maintenant. Tu n'es pas sorti de cette chambre et tu n'as rien mangé depuis. S'il te plaît, viens manger. Je n'ai pas faim. Nous devons quand même avancer. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et le Dieu qui nous l'avait donné nous donnera certainement un autre. Mettons notre confiance en Dieu. Quelle foi! Dieu m'a béni. Il m'a rejeté. Dieu m'a abandonné au moment où il a permis à ses hommes de prendre ma soeur et mon fils, mon seul enfant et ma seule soeur. Il m'a abandonné. Quelle foi me demande-t-il encore de mettre sur lui? Je suis une femme malheureuse. Ma vie est devenue amère. J'ai besoin de mourir. Je vais mourir. Arrête de dire ça. Dieu n'abandonne jamais. Hmm? Toi, vas-y. Je veux rester seule. Tu ne dois pas rester comme ça. J'ai fait ton plat préféré. S'il te plaît, viens manger. Je dis, j'ai pas faim. Toi, pas seulement. D'accord. Je vais t'attendre dans la salle à manger. Chérie, tu continues toujours à pleurer. Mais tu vas pleurer jusqu'à quand? S'il te plaît, arrête. Arrête de pleurer, d'accord? Je veux pas arrêter. Je veux pas arrêter de pleurer. Je veux pleurer jusqu'à ce que les larmes sèchent de mes yeux. Ah. Chérie... Si tu pleurais, c'est loin de moi. Je veux de rester seule. Mais c'est d'accord. D'accord. On est dans ça tous les deux, mais là... Tu sais qu'on n'est pas ensemble, tu n'as pas perdu ta sœur. Mais j'ai perdu mon fils aussi, tu sais que... Tu sais le bonheur d'un père avec son fils, même ta sœur, c'est comme une sœur pour moi, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Je comprends rien, mais je te jure que Dieu va le punir, Dieu va le punir vraiment. Oui, je te promets qu'ils auront ce qu'ils méritent. C'est d'accord. Pas seulement pas. Tantine, bonsoir. Bon après-midi. Oui, bonsoir. Ah, et là, Tantine, comment tu vas? Je vais bien, Tantine. Comment a été l'école aujourd'hui? Ça s'est bien passé, j'ai béni Dieu. Tantine, ça fait un temps que je ne vois plus Chelsea à l'école. Je ne sais pas si elle a quel problème. Même aujourd'hui, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Tantine, qu'est-ce qu'il y a? Chelsea n'est plus. N'est plus? Ma soeur est morte. Quoi? Les assassins sont venus à la maison et l'ont tué. Hey! Hello! Hey! Donc il est finalement tué. Hey! Hey! Et là? Tantine! Tu connais quelque chose sur sa mort? Parle-moi! S'il te plaît, t'as-t-il dit quelque chose sur ta grossesse et qu'il l'a tué? Donc il l'avait même engrossé. Tantine, Chelsea ne m'avait pas parlé à propos de sa grossesse.
Elle m'avait juste dit comment est-ce que ton mari abusait d'elle constamment. Et il la promettait de la tuer si seulement elle racontait ça à quelqu'un. Ça n'est pas vrai. Mon mari ne peut jamais faire ça. Oh, ce que tu dis est mensonge. La nouvelle de sa mort t'a vraiment brillé. Comment tu peux dire de telles choses sur mon mari? Tantine, rien ne va mal avec moi. Rien, absolument. Tantine, c'est ce que Jassy m'avait raconté. Elle me racontait comment est-ce qu'il lui donnait de l'argent. Comment est-ce qu'il achetait pour elle des vêtements. Comment est-ce qu'elle avait acheté pour elle un nouveau téléphone, Tantine. Je le sais, je ne mens pas, je suis sûre de ce que je dis. Tu mens. Elle ne m'a pas dit. Je sais que ma soeur allait me dire. Tu mens. Tu mens. Mon mari ne peut pas faire ça. Tantine, je ne peux pas te mentir. Ton mari le fait ici à Chelsea, c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier dans son sac. Vous allez voir ce qu'il est en train de crier. Vous allez pas voir, Tantine, c'est vrai. Donc, tu veux dire que c'est mon mari qui est le responsable de sa grossesse? Ça, c'est pas vrai. Mon mari ne peut pas faire ça. Tantine, elle essayait toujours. Elle le faisait. À chaque fois qu'elle s'approchait de vous, vous ne faisiez que la repousser. Oh, non. Je te crois pas. Bébé, mon amour, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je suis en train de pleurer? Parle-moi, c'est quoi, hein? Ne me touche pas. Donc c'est toi. Tu as violé et tu es ma sœur, toi, insecte. C'est quoi la signification de tout ceci, hein? De quoi je parle, toi, violeur? Toi, insecte. Non, mais arrête, stop. Pas n'importe stop. Quoi. Oh. Tu es un assassin. Comment, comment peux-tu faire de ça, quoi, ma sœur? Mais de quoi parles-tu? Tu es même le responsable de sa grossesse, toi. Un homme sorcier, toi, violeur. Tu es vraiment méchant. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Bébé. Bébé, mais c'est quoi la signification de tout ceci? Ne me touche pas. N'ose même pas. Chérie, hein? Bébé, mon amour, chérie, bébé, hein, bébé, Chelsea était d'une sœur comme moi et je ne pouvais pas faire des choses. En fait, essaie de m'écouter. Comment tu peux, Ken? Non, mon unique sœur, ma sœur de sang, Ken. Bébé, où est-ce que tu as eu à prendre ces gens? Est-ce que tu peux me dire vraiment? Ne me touche pas avec de mes sales, toi, violeur et assassin. Je t'ai hais, je veux revenir prendre mes affaires. Chérie, s'il te plaît, je crois que tu commets une erreur. Hein? Ça suffit. Ça suffit. Je l'avais compris il y a très longtemps. Mais tu ne voulais pas écouter. S'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Comment mon mari? Comment mon mari peut se permettre de coucher avec ma petite sœur? Elle lui a menti grosse. Comment peut-il coucher avec une petite fille comme ça? Pourquoi? Et ma petite sœur? Je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle il était en train de commettre cet acte. Ah, Dieu! Oh. Mais étais-tu en train de lui refuser ces trucs? Jamais. Même quand je suis fatiguée,
Je le satisfais toujours. Les hommes. Ah, ma soeur et mon fils sont partis à cause de Ken. Des âmes innocentes. Dieu va le punir. Ça suffit. Il n'aura jamais la paix. Ça va, ça suffit. Mais est-il responsable de leur mort? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je suis tellement confuse, je sais pas. Ok, ça suffit. Ok, je pense que tu as compris. Les hommes sont des méchants. Ça suffit, hein? Ça suffit, tu as beaucoup pleuré. Ça suffit. Mon frère, je sais que tu aimes énormément ta femme. Mais comme ça l'est maintenant, je ne vais pas aller là-bas. Harry, tu dois venir avec moi, s'il te plaît. Allons lui parler. Et du moins, cherchons à savoir où est-ce qu'elle a eu cette information. Et d'ailleurs, je veux que ma femme revienne, s'il te plaît, vraiment. J'ai dit ce que je pense, et c'est ça. Elle est ta femme. Comment est-ce que je peux aller avec toi? Vas-y seul pour la faire revenir. Harry, elle te respecte. Elle te respecte beaucoup, elle t'écoute. Si elle me respecte énormément, pourquoi ne peut-elle pas entendre mes excuses? Je n'irai pas. Va faire revenir ta femme. Va faire revenir ta femme. Je ne suis pas celui qui l'a épousée pour toi. Va la faire revenir. Madame, comment tu vas? Je vais parler à ma femme. Ta femme n'est pas ici, elle a quitté ici ce matin. Tu es en train de mentir, tu es une menteuse. Nancy est là. Nancy! Je dis qu'elle n'est pas ici. Nancy, je sais que tu es là, alors viens. Je dis qu'elle n'est pas ici. J'ai dit assez. Et tu vois, elle n'est pas ici, tu vois? Pourquoi tu es en train de me mentir? Que fais-tu ici, espèce d'improstituée? Es-tu venue me faire pleurer encore, mon ami? Maintenant, sors de chez moi. Est-ce que tu viens d'appeler cette auberge sans sens une maison? Est-ce que cet endroit est une maison? Alors, sors de chez moi. Nancy, pourquoi es-tu en train de me faire tout ça? Tu sais très bien que je suis innocent, tu sais que je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu me traites de cette façon? S'il te plaît, entre dans la maison et prends tes affaires et puis retournons à la maison. Tu es fou! Ken, tu es vraiment stupide! Tu as violé et tu as engrossé ma sœur, ma propre sœur, mon sang, Ken. Et tu as l'audace de venir à cet endroit pour me dire de revenir chez toi à la maison. Quelle maison? Quelle maison veux-tu que je puisse revenir? Celle que tu as détruite de tes propres mains? Tu es vraiment fou. Non, si je suis innocent et tu le sais. Alors écoute, je suis en train de t'en parler pour la dernière fois. Si tu ne rentres pas à la maison, de maintenant jusqu'à demain, tout ce qui pourra arriver, tu en seras responsable. Laisse-moi te dire ça. Tu ne vas rien me faire. Tu ne vas rien me faire, toi, meurtrier, violeur. Tu es un imbécile. Calme-toi, doucement, doucement. Idiot. Calme-toi, Nancy. Il a l'apparence d'un innocent. Es-tu sûr que ce qu'elle a dit est vrai? C'est un criminel. Tous les criminels sont comme ça. Tu dois y réfléchir. Réfléchir? C'est un criminel et il ne va jamais accepter ses crimes. Ok. Salut John, comment vas-tu? J'avais déjà fini avec l'interview. Ça fait un temps que je suis vraiment debout. Oui, ça fait un temps que je suis debout. Ok. D'accord. Salut. Salut. Est-ce que je te connais de quelque part? J'étais sur le point de... c'est Ken?
Oh mon Dieu, je l'avais dit, John. Mon wow. Dieu. Bien. Oh, regarde-toi. Vraiment. Mon Dieu. Vraiment, ça fait un moment, John. Bien, tu n'as pas l'air mauvaise. Toi aussi. Merci. Tu sais, j'étais en train de passer, mais juste là, je me suis dit, ah, mais je connais ce visage-là. Oh, bien, je suis contente. Et voilà, c'est toi. Est-ce que tu vas quelque part où on pourra prendre un verre? J'attends mon chauffeur. Je reviens d'une interview. Oh. Mais il n'y a pas de problème, on peut partir. Bien, alors, viens. Merci. Je me sens très heureux de te voir encore. Alors, raconte, c'est comment? Depuis tous ces temps, pourquoi es-tu disparue? Joanne? C'est une longue histoire. Tu l'apprendras un jour. Alors, dis-moi, qui est cet homme chanceux? Bien, je suis encore toute seule en train de chercher un homme. Oh, pour de vrai? Et alors toi? Je suis mariée homme. Désolé, j'étais marié. Tu sais, on est vraiment plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est vraiment une longue histoire. Mais bon, c'est bon. En fait, je t'ai vu, c'est bon. Je suis très heureux de t'avoir vu là. C'est vraiment un plaisir de t'avoir revu. Oh. Alors, je ne voudrais pas te laisser partir comme ça. Et je voudrais que tu viennes voir mon frère car je lui ai parlé beaucoup à propos de toi. Alors, c'est pourquoi nous n'avons aucune relation. Oh, Joanne, tu n'es pas une nouvelle dans ma vie. On se connaît depuis très longtemps. Donc, ça ne dérange pas si tu venais voir ma maison, que tu vois où je vis, tu vois les gens avec qui je vis. C'est bien. Ça sera mon plaisir de rencontrer ton frère ou encore de visiter ta maison. Oh, merci. Alors, Henri. Henri. Oui, mon frère. Henry, je transfère un peu d'argent dans ton compte et je veux que tu l'utilises afin de préparer un très bon repas. D'accord. Je veux vraiment que tu fasses quelque chose de très magnifique, de délicieux même. Et tu sais, je vais revenir avec une amie. Tu sais, bon, ça fait très longtemps qu'on s'est vu et à ce qui paraît, elle pourra être mon épouse. Ah, ta femme vient de partir et tu veux faire venir notre femme. Henri, de toutes les façons, Nancy n'est plus ma femme. Elle a été claire envers moi quand elle m'a dit qu'elle en avait marre avec le mariage et je n'ai pas le temps pour les gens qui ne sont pas sérieux. Ce n'est pas une grande raison pour que tu sautes dans le bras d'une autre femme si rapidement. Accorde-lui du temps et elle pourra revenir en arrière. Je n'ai pas de temps à donner aux gens qui s'en vont écouter le commérage et choisir de leur croire, d'accord? Sans me croire, je ne conçois pas ça. Telle est ma décision. Je ne suis pas dans tout ça. Oh. C'est ton problème. Moi, je pense que je t'ai déjà dit. Henri, ton frère m'a beaucoup parlé à propos de toi. Et je suis ravie de te voir. Joanne, mon frère est déjà marié à une autre femme. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'il laisse sa femme pour toi. Ah, Rush, ta tête fonctionne. Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Joanne, tu n'es pas une femme matérielle. Oui, laisse mon frère seul. Il est mon seul frère. Laisse-le seul. Je t'ai averti. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai déjà dit de le laisser. Si tu veux continuer, là, c'est ton propre problème. Laisse mon frère et seul. Et toi, tu es vraiment stupide. Comment tu comprends là, je m'en ça? Vais.
Mais qu'est-ce qui te prend? Es-tu normal? Bébé, je suis désolé, ne le suis pas. Non, 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 ne le suis pas. T'inquiète, je comprends très bien. Henri, comment tu vas? Je vais bien. Très, très bien. Et comment vas-tu? Je vais bien. Sois le bienvenu. Merci. Tantine, tu sais que j'ai été toujours aimée comme ma propre sœur. Et je ne veux pas que tu sortes, et je veux que tu reviennes avant que ça ne dévienne. Une autre femme est sur le point de prendre ta maison. Et je veux que tu reviennes avant qu'il ne soit trop tard. Henri, je t'apprécie vraiment pour tout. La vérité est que je ne veux pas revenir. Ken peut épouser toutes les femmes qu'il veut. Je m'en fous. Je suis bien comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à me croire. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Crois-tu? Tu veux que je te raconte? Mais d'ailleurs, je crois que je dois partir maintenant. S'il te plaît, ne te sens pas mal, ok? Tu sais combien je m'aimais et je respectais ton frère. Même s'il voulait vraiment me tromper, il pouvait aller le faire ailleurs. Pas bien, avec ma petite sœur. Essaie de penser une deuxième fois. Je crois que je dois partir maintenant. Avant que tu ne partes, s'il te plaît, je Mais c'est ta blague de mariage. Pardon. Ah, prends-les, ça lui, ne peut pas arriver jusqu'ici. Fini. Oui, j'en ai fini. Ça devait arriver jusque-là. C'est fini. Qu'est-ce que tu as dans tes pensées? À quoi penses-tu? Absolument tout. Et tu sais quoi? Depuis tout ce temps, tu m'as apporté vraiment beaucoup de bonheur. Beaucoup de plaisir. Je t'aime beaucoup. Je t'aime, mon cœur. Tu sais, je suis en train de penser. Pourquoi ne pas m'ouvrir une boutique? Tu comprends ce que je veux dire? Je veux avoir une boutique à moi-même. Ce n'est pas mal. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, de combien parlons-nous ici? Tu me connais très bien. Que j'aime en avoir. Et 5 millions, ça sera énorme. Et 5 millions, c'est beaucoup d'argent, mais je ferai n'importe quoi pour toi, chérie. Oh. Et avec tout ça, je vais te transférer 6 millions de naira. Comme ça, tu vas prendre 5 millions de naira pour commencer ton business. Et tu vas utiliser le reste d'argent pour tes dépenses personnelles. Merci, je t'aime énormément. Merci, je t'aime. Oui, je suis très contente, mon amour. Tu la regardes, qui est-elle? Elle est personne de sérieux, personne d'important. Allons-y. Ok.
Nancy. Nancy. Ça suffit. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer à pleurer ainsi. Ça suffit. Gina, ça ne va pas. Ken s'adresse à moi comme si je n'étais personne. Gina, moi, quelqu'un de rien du tout. Ça veut dire qu'elle a déjà vu ailleurs. Et il n'a plus rien à foutre avec toi. Rappelle-toi que tu m'avais demandé de le faire. Alors pourquoi est-ce que tu pleures? Tu penses que c'est si facile? Je l'aime plus que tout. Le voir comme ça m'a rappelé plein de choses. Je comprends. Ça fait mal. Je sais que ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Je sais que ça fait très mal. Mais il est déjà parti. Et il n'y a rien qu'on peut faire à propos. Comment a-t-il oublié si vite? Comment? Ah. Je crois que tu as beaucoup pleuré. Ça suffit. Allons à l'intérieur. Viens, allons à l'intérieur. Je ne veux pas rester ici en train de pleurer toute la journée. Hein? Allez-y. Viens, ma chérie. Bébé. Tu sais, chérie, je t'aime beaucoup. C'est comment pour l'argent que tu m'avais promis, mon amour? Ouais, ne t'en fais pas. Je l'ai fait déjà demain dans les avant-midi. Je vais envoyer l'argent dans ton compte. Merci énormément. Je t'aime, chérie. Je suis très contente, mon amour. Mon amour, j'ai fait le transfert. Tu me manques aussi. Bébé, stop, s'il te plaît. Je sais que je suis en train de conduire. Je ne voudrais pas faire ça. Hein? Johan, ne vois-tu pas que c'est à toi que je parle? Johan, Jésus. Tu veux m'expliquer ce que tu as fait, mon frère? Sinon, je vais te montrer. Henri, laisse-moi avoir la paix dans cette maison, s'il te plaît. Tu dois me dire ce que tu as fait, mon grand frère. Sinon, tu comprendras pourquoi on m'appelle Henri. Henri. Je proviens juste de l'hôpital. Tu es très stupide. Tu peux bien le voir, s'il te plaît. Ça fait qui que tu blagues? Je suis fatiguée. Donne-moi de l'espace. Nien. Si tu ne me dis rien, tu verras ce que je vais te faire. Je vais encore te gifler. Henri, tu as eu. Tu as volé le mari d'une autre femme et tu vas être heureuse. C'est du n'importe quoi. Le diable t'a trompée. Tu penses que tu seras heureuse? Tu sortiras d'ici. N'importe quoi. Regarde-moi celle-ci. Le roi Jack. Hé ma chérie, tu me manques. Quand est-ce que je vais encore te revoir? Non, ça ne me dérange pas. Tu peux venir n'importe quand. Sérieusement. Waouh. Pourquoi pas? Alors c'est comment? Waouh, es-tu sérieuse? Joanne, viens me donner à manger. Joanne, viens me donner à manger, j'ai faim. Henri, si tu as faim, entre dans la cuisine et te fais à manger parce que moi j'ai déjà mangé. Donc comme ça, mon frère t'a marié pour que moi-même je me sève. Henri, je ne me rappelle pas quand je suis devenue ta cuisinière. Quand tu vas avoir faim, entrer dans la cuisine, va te faire à manger. D'aller dans la cuisine moi-même et me faire à manger. Pourquoi es-tu ici? Je te le demande, pourquoi es-tu ici? Si tu ne veux pas que je te tire de force, tu vas sortir de cette chambre. Lève-toi maintenant. Henri, soulève-moi. Soulève-moi, non? De te soulever. Lève-moi.
Si ce n'est pas à cause de quelque chose, ou bien parce que tu es une femme, je vais te tirer de force et te faire sortir d'ici. Henry, fais l'opi, viens me soulever. Tu me répètes encore cette phrase. Arrête de me déranger. Joanne, il ne sait même pas même. Tu te réponds comme une sorcière. T'inquiète pas, mais je ne vais pas te laisser comme ça. Tu verras de quelle couleur je me chauffe. Bonne à rien. Je ne sais même pas où mon grand-père t'a prise. Je crois que tu m'as dit que tu ne m'aimes pas. Et tu veux manger ma nourriture. Tu n'as encore rien vu. C'est juste le début. Joins-nous, peu importe. Donne-moi les clés de contact, je vais aller voir mon frère. Comme tu peux bien le voir, je suis en train de m'habiller pour aller à l'hôpital. Je dois louer tu une voiture. Tu peux aller prendre une moto. Je devrais emprunter un véhicule. Pourquoi ne prends-tu pas un taxi? Ou bien que j'avais pas cette voiture avant que tu viennes? Allez, ça suffit, donne-moi les clés de contact. Je te dis, tu es en train de chercher à devenir une occasion de chute pour moi. Ne cherche pas ce que je te montre ma vraie face. Tu ne face fais rien. Tu n'es qu'une voleuse de mari. Tu ne peux rien faire. Tu n'es rien qu'une voleuse de mari. Voleuse de mari? Tu penses que ça sera facile? N'importe quoi. Oui, c'est bon comme ça. Bébé, tu dois arrêter de pleurer. Je suis toujours en vie. Ça je suis désolé. Je me sens je souhaite que j'arrive à faire plus. Ok. Je suis désolé. Je souhaiterais mieux faire. Non, c'est bon, ok, Henry. Regarde, je suis mieux que hier. À l'allure où vont les choses, j'irai mieux dans peu de temps. L'unique problème ici, c'est ma hanche. Je ne sens pas vraiment ma hanche encore. Hein? Oui. Je crois que je vais bientôt très bien. Le docteur a dit que tu n'as que connu une petite blessure. À côté de ta hanche. Mais tout ira mieux avant que tu ne le saches. Au niveau de la hanche. Mais tu iras mieux avant que tu ne le saches. C'est d'accord. Je crois aussi cela. Je crois vraiment. Pourquoi est-ce que tu lui mens? Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Penses-tu que tu vas le garder pour toujours? Bébé, de quoi parles-tu? Dis-moi un peu qu'est-ce qu'il y a. Le docteur a dit que tu as subi un très grand choc. Que tu ne pourras plus jamais marcher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon frère, ne t'occupe pas d'elle. Tu iras mieux. Henry, qu'est-ce que tu viens de dire? Mon frère, ne l'écoute pas. Tu iras mieux. Le docteur a dit que je ne pourrai plus marcher. Henry, je te demande, le docteur a dit que je ne peux plus jamais marcher. Henry, qu'est-ce que tu viens de dire? Donc, c'est ici que cette vie m'a emmené. Moi, Kenny Chukwu, paralysé. Ne serait-ce pas mieux si je mourais? Et comment devrais-je me déplacer sur une chaise roulante pour le reste de toute ma vie? Mon Dieu. Et Dieu, viens récupérer ton souffle là. Je ne veux plus vivre encore. Et si vraiment c'est la vie? Alors je ne voudrais plus vivre. Et s'il te plaît, Dieu. Joanna. Oh, Ken, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, mène-moi aux toilettes. Je vais me soulager. Oh. Ken, tu n'as pas encore fini avec la toilette. S'il te plaît. Tu ne peux pas me laisser me reposer.
et je suis maintenant en train de te déranger. Et s'il te plaît, je vais défiquer dans les habits. Ken, tu ferais mieux de partir, parce que moi je ne vais pas du tout m'élever. C'est la 40e fois maintenant. Johanna, s'il te plaît, aide-moi, non? Oh. S'il te plaît. Hein? Tu ne voulais pas que je dorme dans cette chambre? Apporte-moi des lettres, s'il te plaît. Hey! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Hey, chérie. Et s'il te plaît, j'ai vraiment soif. Apporte-moi un verre d'eau, je t'en supplie. Et à ton retour, je veux aller dehors et avoir un peu de l'air. Ici, il fait très chaud, là. Oh, Ken, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois, chérie fait ceci, chérie fait cela. Écoute, hein, il est temps que tu cherches quelqu'un qui pourra bien prendre soin de toi. Tu ne peux pas te fatiguer. Parce que moi, je suis fatiguée. Tu vas continuer à prendre soin de lui. Parce qu'il est de ta responsabilité. Porte tes problèmes. S'il te plaît, prends tes responsabilités en main. Je suis fatiguée, moi. Je n'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de perdre avec des gens comme vous, là. Joanne, et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu dis de telles choses? Ken, c'est toi qui es hors de ta tête. Espèce d'un homme crapaud. Je t'avais dit qu'elle était toujours une femme journaliste. Henry, je te l'avais dit. Dis-moi d'abord. Mais tu ne voulais pas m'entendre. Je te l'ai dit. Ken n'est pas une bonne femme. Je te l'ai dit. Mais tu n'écoutais pas. De toutes les façons, ne t'inquiète pas, ne pense pas à elle. Je vais prendre soin de toi. Je suis là. Quand je te lisais, tu ne voulais pas écouter. Joanne, hein? Où vas-tu avec tes affaires? Ken, j'aimerais vraiment te remercier pour l'amour que tu avais envers moi. J'ai vraiment apprécié. Tu es un gentil homme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Mais je suis désolée, je dois partir. Je ne peux pas continuer à rester. Je ne peux pas continuer de vivre avec un homme qui ne pourra plus marcher pendant le reste de ses jours. S'il te plaît, Joanne, ne me fais pas ceci, hein? Je t'en supplie. Et je t'en supplie pour l'amour du Très-Haut. On s'était promis de rester ensemble pour le reste de nos vies. S'il te plaît, ne pars pas. Pardon. Oui. Et je t'aime toujours. Ne vois-tu pas que je suis encore trop jeune et très jolie? Qui t'a dit que tu es belle? Arrête-nous un peu ça. Ken, ce n'est pas ce que j'avais planifié. J'ai de bonnes choses à faire. Prends ton sac et pars. S'il te plaît, je dois partir maintenant. Tu as une malédiction pour mon frère. Va-t'en. Tu veux que cette fille t'étude? Non. Harry, empêche-la. Elle est en train de partir. Qu'est-ce que tu te sers de leçon? Lorsque je t'ai parlé, tu ne voulais pas m'entendre. Mais elle vient de partir. C'est bien fait. Lorsque je te parlais, tu refusais de m'écouter. Tu es allé jusqu'à cueillir cette blanche sorcière. Et je ne sais même pas d'ailleurs qui lui avait dit qu'elle était belle. Et je ne peux pas vraiment croire que Joanna, elle pouvait me faire tout ceci. Et je ne peux pas croire que Joanna pouvait me quitter après tout ce que j'ai pu faire pour elle. Après tous les temps qu'on a passé ensemble. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce qu'on a fait. C'est quoi ça? Mais mon frère Ken, pourquoi es-tu en train de te faire tout ça? Et tout ça à cause du manque de ta femme? Vous continuez à être très important pour moi. S'il vous plaît. Sache-le que tu es important à mes yeux. S'il te plaît. Ressaisis-toi. Je ne peux pas vraiment croire que Joanna, elle pourrait me quitter juste de cette façon. Jusqu'à ce point. Ah, mon Dieu. Une femme qui t'aime réellement,
va certainement venir. S'il te plaît, sois fort. De toutes les façons, je sens un tout petit peu. Tu sors? Oui. Mais je ne vais pas traîner. Je vais rapidement revenir. Veux-tu quelque chose avant que je parte? C'est bon, alors laisse-moi aller prendre le bain. Je vais revenir rapidement. Nancy. Comment tu vas? Je vais bien, tu me vois, non? Et toi? Je glorifie Dieu. C'est bon. J'étais d'ailleurs en train de penser de venir te voir chez toi à la maison. Mais Dieu merci, nous sommes vus ici. Je veux que tu viennes avec moi à la maison. J'ai une surprise pour toi. Henri, j'aimerais bien faire ça. Mais je peux pas. Pardon, ne le prends pas mal. Bien. Mon frère et sa femme ont voyagé pour aller en ville, si c'est à ça que tu pensais. S'il te plaît. Ok, ok. Je suis impatient de voir ta surprise. Comme ça, je pars avec toi. C'est bon. Alors, attends que je prenne d'abord quelque chose ici. C'est bien, je t'attends juste ici. À tout à l'heure. Ou bien veux-tu aller avant moi? Ne t'en fais pas, je t'attends. D'accord. Henri, pourquoi tu m'as amené ici? Bien, c'est la surprise que j'ai pour toi. Je suis sûr que tu ne l'as jamais vu sous cet état. Mon frère est maintenant paralysé. Mon frère t'aimait et prenait soin de toi et de ta sœur. Tu ne peux pas juste te lever d'abord matin et commencer à insinuer du n'importe quoi, disant que c'est mon frère qui a engrossé ta petite sœur inutile. Henri, comment peux-tu appeler une fille innocente inutile? Comment tu peux condamner une petite fille? Et lui donner raison, juste parce que c'est ton grand frère. C'est pas grave. Je veux partir. Sache que ce que ton frère a fait, il le payera un jour. Nancy, viens s'il te plaît. Mais pourquoi les supplies-tu? Permets-lui de partir. Je suis coupable. Un quoi? J'avais engrossé Chelsea. Qu'est-ce que tu avais fait? J'avais envoyé ces deux garçons de venir la tuer pour qu'elle n'expose pas mon secret. Car j'en avais vraiment peur. Mais c'est par erreur qu'ils avaient tué mon fils. Je suis vraiment désolé et je veux que vous puissiez me pardonner. Je sais pas ce qui m'était arrivé jusqu'à ce point. Car l'unique chose qui me venait en tête, c'était juste de le pouvoir la tuer. Pour que mon secret ne soit pas exposé. Je suis désolé. Ken, au lieu d'arranger l'erreur que tu avais fait, tu as encore commis une autre erreur. Si tu m'avais dit que tu étais le responsable de la grossesse, on allait trouver une solution ensemble. Et comment vous mettrez fin à ça? Mais non! Tu as décidé de la tuer. Et à cause de ça, mon fils aussi a été tué. Ken, j'avais tellement confiance en toi. Et tu as pris le dessus sur ma confiance. Je suis désolé. Et je suis vraiment désolé. Démon, c'est juste le commencement de ta souffrance.
tu continueras à souffrir pour m'avoir éloigné de ma seule sœur. Pour me prendre le fruit de mes entrailles. La personne qui devait m'appeler maman. Que tu vas souffrir. Ta mort sera une mort honteuse. Et non, si, s'il te plaît, pardonne-moi. Et non, reviens, s'il te plaît. Harry, elle part. Non, elle revient. Mon frère, tu es vraiment méchant. Tu as toujours perdu 200 innocents. Juste pour une réjouissance de 2 minutes. Peux-tu m'entendre ce que tu dis? Tu as tué mon neveu. Maintenant, tu te réjouis de ça. Je suis certainement sûr que c'est la folie qui t'avait eue. Hey! Tu es en train de payer pour te pécher. En tout cas, pardonne-moi. Pardon. Hey! Pauvre Chelsea. Mon frère, tu es très méchant. En fait, je te hais. Hey, Harry, toi aussi. S'il te plaît, ne m'appelle pas. S'il te plaît, Henri, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ceci est arrivé à cause de moi-même. Et je vais continuer à endurer jusqu'à ce que le Dieu de mes ancêtres m'accordera ce pardon. Et ceci doit m'avoir enseigné une grande leçon. 2 minutes de jouissance ont empiré ma situation pendant toute une vie. Et je suis moi-même la cause de tout ceci. J'ai vraiment détruit ma plus belle maison. D'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Thank you.